Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables de partis politiques, Mesdames et Messieurs les délégués au dialogue politique, très distingués invités. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. C'est dire, mesdames et messieurs, que c'est avec grand bonheur que je viens de recevoir le rapport de vos assises, dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause. La seule qui détermine notre engagement et nos actions. Je note avec satisfaction que pendant ces quelques jours, tout au long de vos échanges, vous aviez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité. Chers délégués, cela vous honore et je voudrais humblement vous en féliciter. Mesdames et messieurs les délégués, permettez-moi de vous avouer que mon étonnement et ma fierté ont été au plus fort quand il m'a été rapporté que vos discussions intenses, parfois passionnées et vigoureuses, se sont déroulées dans une ambiance de courtoisie et de convivialité inespérée. Pour cela, je voudrais encore une fois vous adresser mes félicitations. Cela témoigne de ce que nous savons nous retrouver quand l'histoire et les circonstances l'exigent. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun à sa manière a contribué aux résultats si positifs de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Mesdames et messieurs, j'ai également noté avec satisfaction, sauf à me tromper, que vos recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan en renforçant le rôle des partis politiques d'envergure nationale. Il n'y a pas à s'émouvoir des incompréhensions ou des divergences de vues qui sont enregistrées depuis quelque temps à ce sujet. Il va ainsi des réformes
Un temps, elles paraissent prématurées. Un autre, elles semblent pertinentes ou urgentes. Un autre encore, elles paraissent dépassées et nécessitent des réaménagements. C'est bien le signe qu'elles sont les réponses aux préoccupations des époques qui les font naître et qu'elles n'ont pas vocation à s'imposer éternellement. Seul le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. Je voudrais, pour finir, encore une fois, vous adresser mes remerciements et mes félicitations les plus méritées. Merci. Et surtout, que vive la classe politique. Vive le Bénin.